Un jeu d'avocat sur DS. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En quoi ce truc pourrait m'intéresser? Putain, mais les développeurs ne savent vraiment plus quoi inventer. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, ce jeu-là, c'est sûr, jamais je n'y toucherai. Telles furent mes premières pensées lorsque j'ai vu la boîte du jeu pour la première fois. Telle avait été ma première impression quand j'ai su que Capcom avait sorti un jeu d'avocat. Mais quelle fut ma bêtise? Quelle fut ma terrible erreur, mes amis, lorsque je me suis aperçu que j'étais tout simplement à côté de la plaque. Mais j'étais pas seulement à côté de la plaque, voyez-vous. J'étais à des kilomètres de cette foutue plaque. J'ai eu la chance de l'avoir essayé. Par simple curiosité au départ, puisque c'était très très mal parti. Comme je vous disais, avec mes a priori, tout ça. Mais donc je l'ai essayé. Et je me suis rendu compte à quel point cette série était tout simplement énormissime. Pour tout vous dire, c'est juste une de mes séries vidéoludiques préférées. D'ailleurs, heureusement qu'il y a Zelda, je vous assure. Sinon, je pense que la première place aurait été prise assez facilement. C'est vous dire à quel point j'aime cette série. Et à quel point j'affectionne tout particulièrement les Ace Attorney. Donc Phoenix Wright ou Gyakuten Saiban en Jap. Donc c'est une série de jeux, je dirais d'aventures, réflexions, énigmes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le premier épisode, Phoenix Wright Ace Attorney. Donc c'est un jeu édité et développé par Capcom. Ça devrait vous dire quelque chose normalement. Donc à la base c'est un jeu qui a été développé pour la GBA au Japon en 2001. Et qui a été ensuite porté par la suite sur DS en 2005 seulement. Mais au Japon. Donc décidément, ils se le gardaient pour eux, ces enfoirés. Nous, on y a eu seulement droit en 2006 sur la DS. Donc voilà, il y a eu 5 ans de différence, quasiment. Entre la sortie GBA au Japon et la sortie sur DS chez nous. Il a fallu le temps, mais my god, on l'a eu. Miracle. Une série qui aurait pu rester exclusive au Japon. Mais qui est arrivée chez nous en Europe pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire. Un grand merci à Capcom pour ça. C'est vraiment une bonne chose qu'on y ait eu droit.
et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Juste avant de commencer, je dois vous dire que j'ai capturé directement sur la DS. Voilà, j'ai éteint un petit peu les lumières hein, pour avoir le meilleur rendu possible, même si c'est toujours très difficile d'avoir une qualité parfaite. Je pense pas que la qualité soit trop mauvaise, je pense avoir réussi à obtenir un truc pas trop dégueulasse au final. Mais je tenais vraiment à vous faire le test de cette bombe atomique. D'une, car j'ai presque vu aucun test de Phoenix Wright, et de deux, parce que les tests sur DS sont assez rares, il faut le dire, voire quasi inexistants pour certains jeux, et des jeux parfois excellents comme celui-ci, vous allez le voir. Alors dans ce jeu, on incarne un avocat qui débute, donc Phoenix Wright, hein, aussi surnommé Nick. C'est ce qu'on pourrait appeler un rookie, donc un petit nouveau dans le domaine de la justice. Dans le jeu, la première affaire qu'on va traiter, c'est aussi la toute première affaire de Wright, justement. On va jouer ses débuts, en quelque sorte. Donc cette première affaire, c'est de loin la plus facile pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voit le coupable dans l'introduction, on sait directement qui c'est. Donc à partir de ça, on va pouvoir plus facilement réfuter ses arguments, on va savoir quand il ment, etc. La deuxième raison, c'est que dans les pièces à conviction du dossier, on va pas avoir beaucoup d'objets, donc pas beaucoup de choix. Si jamais vous vous trompez au moment du choix sur une preuve, vous aurez pas 36 000 autres possibilités. Et enfin, la dernière raison qui fait que cette première affaire, c'est la plus simple du jeu, bah, c'est que les déductions à faire sont assez simples dans l'ensemble, hein, sans oublier qu'on est un peu pris par la main aussi. Notamment par Mia, qui est en quelque sorte notre patron, hein, notre mentor, le mentor de Phoenix Wright en fait, sur qui bah, il va beaucoup s'appuyer pendant les affaires, sur qui il va prendre exemple, c'est un petit peu son modèle. Donc cette première affaire, c'est la plus simple, mais c'est aussi la plus courte, puisqu'elle dure environ 3 quarts d'heure, je dirais, la première fois qu'on va la faire. C'est la plus courte parce qu'on n'a pas de côté enquête, on n'a pas de côté vraiment recherche, de côté recherche dans les, voilà, dans les différents endroits. Ce que je voulais pas dire, mais il y a un côté enquête dans le jeu, on va devoir se déplacer sur le terrain pour aller chercher les indices ou les preuves. Dans la première affaire, on va juste se retrouver au tribunal. Donc dans une cour hein, de justice. Et on va devoir prouver la culpabilité du mec que vous avez vu tout au début, donc, qui s'appelle Monsieur Cavu. Donc on va devoir prouver sa culpabilité et donc défendre notre ami d'enfance, accusé d'avoir tué la femme du début. D'ailleurs notre ami d'enfance qui s'appelle Defesse, Monsieur Paul de son prénom. Donc Paul Defesse, vous devez sans doute avoir compris le jeu de mots. Moi j'ai eu un petit peu de mal à le comprendre, hein. Au début ça me paraissait normal comme nom Paul de Fesse, mais c'est par la suite seulement que j'ai tilté, hein. Poil de Fesse bien sûr. Donc il y aura énormément de jeux de mots dans le jeu, d'ailleurs ça contribue un peu à rendre tout ça, le tout moins sérieux. Cette série c'est une série qui se prend vraiment pas au sérieux, hein, malgré son impact, malgré sa puissance j'ai envie de dire. C'est un jeu où il y a énormément d'humour, mais franchement, je sais pas comment vous dire, mais... Dans cette série, dans ce jeu et dans cette série, j'ai ri, mais de bon cœur, vraiment. Je me suis marré comme jamais, je me suis marré devant un jeu vidéo. Il y a énormément d'humour, que ce soit les jeux de mots dans les noms des persos, ou même dans les répliques, dans les phrases des persos, c'est un truc de fou. Franchement, l'humour est au rendez-vous, quoi. Donc ouais, Paul Defesse, je vous dis, évidemment, jeu de mots dans son prénom, donc notre ami d'enfance qu'on va défendre hein, dans cette première affaire. Ouais, donc le tout, ça va rendre un peu moins sérieux des affaires de crime qui d'ordinaire se passent d'humour. Hein. On a tendance à avoir une image un peu morne, un peu sobre d'un tribunal. À première vue, ça doit pas vous enchanter beaucoup, je pense. Et je vous rassure, j'étais dans le même cas que vous. Alors qu'ici, on va vraiment avoir du second degré, de l'humour. Le jeu ne se prend pas trop au sérieux, pas du tout même, malgré qu'il soit énormissime.
Et c'est ça aussi que j'apprécie, le fait de ne pas rester tout le temps dans le même registre, le registre sérieux justement de la justice. Donc dans ce jeu, le but, ça va vraiment être de déstabiliser d'abord les témoins, qui vont la plupart du temps mentir, évidemment, pour cacher la vérité de l'affaire, ou tout simplement dire des choses fausses ou contradictoires avec certains faits, certaines preuves, à des preuves qui se trouvent dans notre dossier et qu'on va devoir sortir au bon moment, un peu comme un joker, hein, si on joue aux cartes. Voilà, des preuves qui nous serviront pour démentir ce que disent les témoins ou la personne chargée de l'accusation. Parfois, il faudra vraiment bien examiner ce dossier, scruter chaque objet du dossier pour pouvoir déterminer lequel pourra être crucial pour attaquer l'adversaire. Un combat tout simplement hein, entre la défense et le procureur, donc l'accusation. On pourra aussi à tout moment consulter le profil qui va nous permettre de voir un petit peu le récapitulatif des personnes impliquées dans les différentes affaires, donc des profils dans lesquels on aura bien sûr l'âge des personnes, leur nom, leur profession ou leur situation, et aussi un descriptif de qui ils sont évidemment. Personnellement, je me suis pas beaucoup servi des profils, donc là vous me direz pourquoi. Et bien tout simplement car à chaque affaire, je me souviens bien de qui était qui, quels étaient leurs rôles, entre guillemets, dans ces affaires. Ça, c'est parce que j'étais vraiment impliqué dans le jeu, hein. J'ai pas décroché à aucun moment. J'étais quasiment à fond du début jusqu'à la fin. Le jeu est très très accrocheur, enfin du moins si vous accrochez aux gens, si vous aimez le genre avant tout bien sûr. Chaque minute de jeu est tout simplement du pur bonheur pour moi, on n'en perd aucune miette malgré que le jeu soit assez court hein, dans l'ensemble. Je dirais entre 10 et 15 heures à aller voir plus. Donc la dernière affaire, donc la cinquième affaire, donc c'est une affaire exclusive à la DS, elle dure environ 7 heures voire plus je crois, moi j'ai mis au moins 7 heures avant d'en voir le bout. Voilà, maintenant pour moi la durée de vie reste très correcte, c'est vraiment jouissif du début à la fin. Une chose qui va nous être extrêmement utile au cours des procès, et même souvent nécessaire j'ai envie de dire, c'est la commande attaquer. Donc dans 90% des cas, on va pouvoir utiliser cette commande quand on veut, sans se soucier d'avoir une pénalité. Mais il faut quand même faire gaffe parce qu'à certains moments du jeu, si on attaque pour rien, le juge nous enlèvera un essai ou une vie, il nous pénalisera quoi.
Donc je vous ai parlé des pénalités. Les pénalités, c'est un petit peu la vie, hein, les chances qu'on a de pas se tromper. Il faudra vraiment faire attention à ça, parce que quand la vie sera épuisée, eh bien on sera tout simplement game over, donc il va falloir sauvegarder beaucoup dans le jeu, hein. Généralement dans les moments décisifs. Moi, à chaque fois qu'il y avait une question décisive avec des choix à faire, franchement, je sauvegardais la plupart du temps, quoi, pour éviter de tout me retaper, toute une séquence, hein, voire qui dure plus d'une heure parfois. C'est vraiment pour s'assurer de pas tout refaire, quoi. Donc le thème principal des affaires, donc celui du début des témoignages, m'a un peu fait penser au puzzle thème de Professeur Layton. Pas dans la forme, mais plutôt dans le fond. Ce sont tous les deux des thèmes, un petit peu cérébraux, j'ai envie de dire. Dans la mesure où ça colle parfaitement avec l'ambiance, avec l'atmosphère dans laquelle on est plongé. Voilà, faudra réfléchir, hein, se creuser la tête, faire fonctionner son cerveau, se bouger les neurones, hein, faire travailler ses méninges. D'ailleurs, ça tombe bien que je fasse ce rapprochement avec Professeur Layton, parce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y allait avoir un crossover justement des deux séries réunies dans un même jeu. Ça sera sur la 3DS. Alors, je ne sais pas encore si le jeu sortira chez nous en France, je l'espère vraiment, je croise les doigts. Une raison de plus pour moi et pour beaucoup d'autres, je pense, d'attendre impatiemment ce titre. C'est vraiment le choc, hein, vraiment des deux, pour moi, les deux meilleures séries de la DS. Voilà, donc la 3DS que je n'ai pas encore, hein, qui manque malheureusement un petit peu de bons jeux, on va dire, en ce moment. J'attends vraiment des putains de hits qui sortent, et en nombre surtout, parce qu'il y a vraiment rien là, malgré le Mario 3DS Land, etc. Bref, j'espère que ce crossover va être bien, et qu'il va sortir chez nous. C'est même pas sûr du tout, hein, pour tout vous avouer, je suis assez pessimiste sur la chose, mais bon, on verra bien. Sinon, on va vraiment s'attacher à certains personnages. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé Hunter. Parce qu'au début, on peut le trouver complètement con et prétentieux, complètement froid. Alors qu'au final, je vous laisse découvrir, mais au fond, il n'est pas du tout comme ça. Je l'ai un peu assimilé à Vegeta dans Dragon Ball, c'est un peu le même caractère. J'ai aussi beaucoup apprécié le détective, hein, assez corpulent mais non moins sympathique, Dictective. D'ailleurs, des jeux de mots comme ça, il y en aura énormément, comme je disais. Je pense notamment à une certaine Eva causée souci, ou encore le témoin, Monsieur Cavu. Voilà, donc notre acolyte Maya, qui va nous accompagner, je dirais, dans à peu près plus de la moitié du jeu, les trois quarts du jeu. Notre acolyte, qui est aussi très sympa, un peu zarb par moment, mais bon, c'est vraiment cool de l'avoir à nos côtés pendant les procès. Mais aussi pendant l'enquête, parce qu'on va avoir aussi, on va devoir jouer les détectives, un peu comme je vous disais dans le jeu. On va devoir aller sur le terrain à chaque affaire, sauf la première, pour aller chercher des infos, des preuves et pour faire avancer tout ça. Malgré le fait que je préfère quand même les scènes de tribunal, pour tout vous avouer. Mais bon, ça dépaysse un peu, on va dire que ça change. Ça reste pas cantonné à un seul registre. Ouais, donc je vous disais, Dictective, vraiment, je pense que c'est mon perso préféré du jeu, avec Phoenix Wright, justement, Dictective, qui est vraiment, vraiment très, très attachant. J'adore ce perso, je crois que c'est justement mon perso préféré du jeu. Et c'est un perso récurrent, je crois que c'est le seul perso récurrent à tous les épisodes de la série Phoenix Wright. Donc il va réapparaître aussi dans les Apollo Justice, je crois, et autres, que je suis en train de me faire en ce moment d'ailleurs. Donc au début du jeu, on va affronter un procureur sans charisme, hein, assez faible au niveau des arguments, des preuves et des réfutations. Mais plus on va avancer dans le jeu, plus on va tomber sur des gros morceaux, évidemment. Je vous en dis pas plus, mais on va devoir affronter des persos assez charismatiques, assez énormes. Notamment un certain Von Karma. Je vous en dis pas plus, mais c'est un procureur qui n'a jamais perdu un seul procès en 40 ans de carrière. Il veut faire absolument tout pour avoir un verdict coupable.
Il va jusqu'à trafiquer ou falsifier des preuves, vous verrez. Il va même en dérober vers la fin, vous verrez. C'est vraiment une ordure, ce mec. Mais bon, je vous laisse jouer au jeu pour connaître la suite. Voilà, donc au total, il y a eu environ 3 millions de jeux Phoenix Wright de vendus en 2008, en comptant tous les épisodes de la série. Et donc, faut savoir que c'est la 11e série de Capcom la plus vendue. Pour tout vous avouer, ça peut vous paraître bien, mais je vous assure que pour ce jeu, c'est vraiment peu, c'est vraiment trop peu même, c'est dommage. Cette série mérite bien plus, mérite de se faire connaître de tous, partout dans le monde. Je vous demande vraiment d'y jouer. Même si ça vous plaît pas, vous saurez au moins ce que c'est. Et surtout, si vous l'avez apprécié, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, j'insiste. C'est vraiment important qu'il se fasse vraiment connaître énormément. Voilà, je pense que je vous ai à peu près présenté l'essentiel, mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir montré grand-chose. C'est vraiment après qu'on va avoir des scènes d'enquête, hein. On va aller sur le terrain, on va rencontrer des personnages avec chacun leur trait de caractère, leur mimique, leur façon de parler, leur gestuelle, tout ça. Donc là, j'ai décidé de vous montrer, de pas vous montrer grand-chose du jeu. Je pense que je sais pas encore ce que je mettrai comme morceau, comme séquence de jeu, mais je pense vraiment pas vous spoiler, vous montrer le principe, pas le principal, mais oh, des scènes qui m'ont assez marqué et que je trouve assez sympa dans l'ensemble. On verra bien. C'est surtout évidemment que j'ai pas envie de vous spoiler le reste du jeu, hein. C'est vraiment à vous de vous découvrir vous-même le fil de l'histoire. C'est un scénario vraiment bien ficelé, c'est vraiment énorme de bout en bout. Voilà, les scénaristes sont tout simplement des génies. Voilà, moi perso, je faisais une petite partie tous les jours, tous les soirs dans mon lit avant de dormir, hein. Et je peux vous dire que malgré la fatigue qui me gagnait à certains moments, je restais éveillé. Ce jeu me prenait vraiment en haleine. Je voulais à chaque seconde connaître la suite. Sinon, je vous conseille vivement d'y jouer sur la DS. C'est vraiment la meilleure version. Non seulement elle a une affaire de plus, qui a 5 affaires en tout, la cinquième étant la plus longue, qui dure au moins 7 heures. Mais la DS, justement, qui est super bien adaptée à ce genre de jeu, au jeu tout simplement, sur Wii, c'est pas super pratique. Surtout qu'autour de l'écran de jeu sur Wii, on va avoir un encadré assez moche, hein, et pas très esthétique. Bref, de toute façon, jouez-y par n'importe quel moyen, même si je vous conseille avant tout la DS, il faut que vous le fassiez. Sinon, ce serait passé à côté d'une grosse bombe vidéoludique, un véritable chef-d'œuvre de Capcom, et je pèse mes mots, je vous assure. À classer parmi les plus grands jeux DS, selon moi. Voilà, donc je lisais un peu les avis sur ce jeu. Je commençais à voir que cette série était assez réputée, mine de rien. Et là, je comprenais pas trop. Je me demandais comment un jeu d'avocat pouvait susciter autant d'intérêt. J'y ai donc joué et je me suis pris une baffe juste monumentale. Mais ça n'a pas été direct, ça a vraiment été progressif. C'est vraiment petit à petit que j'ai appris à aimer cette série, que j'ai appris à l'apprécier. C'est une des seules, voire la seule série qui est parvenue à me faire rire de bon cœur. Mais aussi à me foutre les larmes aux yeux. Et dans tous les cas, ça a été des émotions réelles. C'est vraiment un jeu profond qui nous fait passer un petit peu dans tous nos états. Pour tout vous avouer, j'ai limite eu la petite larme à l'œil, hein, dans le troisième épisode, Trials and Tribulations, avec Godot, personnage juste culte de la série.
Bref, et ça a vraiment été progressif. Au début, on débute, on sait pas trop. Après, on présente notre première pièce à conviction. Et là, quand j'ai entendu pour la première fois le thème de l'objection, comment dire, j'étais un petit peu dans tous mes états. Il y a une putain de montée d'adrénaline, on s'y croit, bordel. Jusqu'au corneret thème, donc le thème hein, quand on coince les suspects à la fin, qui pousse encore plus le côté épique de la chose. On coince le suspect, on va même leur faire péter un câble. Et c'est là qu'on va vraiment voir le vrai visage, hein, la vraie nature des meurtriers, avec les fameux breakdowns notamment. C'est quand on voit les persos, quand on voit les persos péter un gros câble, hein, quand ils nous montrent leur vrai visage, la face cachée de l'iceberg en quelque sorte. En gros, voilà, on les a poussés à bout, hein, on les a poussés à tout avouer, à avouer toute la vérité. Et là, je vous assure, il y a des scènes vraiment épiques. Je vous laisse le plaisir de découvrir tout ça. Et là, je me suis dit, putain, ces Japonais, ils sont quand même sacrément balèzes. Ils ont la manière de nous emmener où ils le veulent avec brio. Tout est orchestré à la perfection. Et j'ai un énorme respect pour Capcom pour avoir réussi un tour de force pareil. Rendre un jeu d'avocat épique, émotionnel, ingénieux, addictif, parfait tout simplement. Voilà, je leur tire mon chapeau. J'ai un énorme respect pour eux. Donc je vous applaudis pour ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et vivement que cette série continue. J'espère de tout mon cœur qu'elle va continuer. Il ne faut absolument pas qu'elle s'arrête. Donc parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Parlez-en. Bref, donc Phoenix Wright Ace Attorney sur DS, une tuerie monumentale, une perle vidéoludique comme on en a rarement vu dans le jeu vidéo. Jouez-y, franchement, kiffez votre race, kiffez à mort. Et j'espère tout simplement que ça va vous plaire. Moi, j'ai vraiment pas été déçu, quoi. Une de mes plus grosses surprises vidéoludiques, une de mes plus grosses claques du jeu vidéo. Sur ce, je vous dis goodbye à tous et... Objection!